Et c'est parti pour le programme de variation. Donc, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo avec plaisir. On avait vu une vidéo précédente des variantes sur ce morceau-là, The Morning Dew. Je pense que tu as pu apprendre le morceau, du coup, bah, tu as pu regarder un petit peu la partition. Si tu veux avoir la partition propre, la télécharger ou l'imprimer, tu sais bien que cette partition, elle est dans mon espace privé, c'est la librairie privée. Tu pourras retrouver dedans ce morceau-là, mais pas que. Là, maintenant, il y en a 25 actuellement. Donc si ça t'intéresse aussi, le lien est dans la description. Mais sinon, tu peux l'apprendre comme ça, là, en regardant sur mon écran. Tu peux apprendre ce morceau-là. Je pense que tu as pu, du coup, refaire les variantes que je t'ai proposées dans la vidéo précédente. Et aujourd'hui, on va se faire un programme de variation complet sur ce morceau. Je vais te proposer vraiment ce programme. Ça va rendre le morceau vraiment intéressant du début jusqu'à la fin. On va le faire trois fois. Le but, juste, c'est qu'on va le faire trois fois. Mais il faut qu'il y ait tout le temps quelque chose qui se passe. Faut qu'il y ait tout le temps quelque chose qui se passe. Faut arriver à scotcher ton public, scotcher ton audience. Comment tu vas réussir à faire ça? Eh bien, tu vas établir à l'avance toutes les variantes que tu sais faire dessus, toutes les variantes que tu auras trouvées sur ce morceau. Donc évidemment, il va de soi, plus tu auras trouvé de variantes intéressantes, plus tu vas scotcher ton audience. À chaque fois, il va se passer quelque chose d'incroyable. Et à chaque fois, ton audience va être surpris, ton public va être surpris. Mais voilà, il y a un programme à respecter, il y a un enchaînement. Donc je te partage quelques règles d'or. Alors si tu veux en savoir plus, bah, tu sais bien, j'ai fait une formation, c'est la vidéo 6. Là, je te partage vraiment le programme complet. Là, je vais te donner en fait quelques règles qui peuvent te permettre de jouer ce morceau-là de manière très intéressante, trois fois identique. Donc je te propose un programme, par exemple. La première fois, on va jouer le morceau comme il est indiqué, d'accord ? Comme il est indiqué, on va pas trop s'embêter, tu vois, on va jouer normal, propre, net, avec les quelques ornements que je t'ai sélectionnés, qui vont rendre déjà assez sympathique. La deuxième fois, on va commencer à se rajouter des variantes pas trop compliquées, tu vois. On va faire genre les variantes de changement de notes, par exemple, dans un premier temps. Et la dernière fois, on va mettre le paquet. On va mettre le paquet, donc toutes les variations les plus stylées que tu auras trouvées, les plus dures, voilà. Tu peux mettre les variantes techniques, par exemple. Tu peux mettre des variantes de phrasé. Alors là, c'est le must. Si tu peux mettre des variantes de phrasé, mais tu t'exploses tout. Et si tu peux, alors là, c'est méga, méga, méga classe, te faire un final, variante de finale, variation finale. C'est aussi, je te partage ça dans la formation, je te partage plein d'idées de variations finales, d'idées originales de terminer tes morceaux. Donc là, c'est parti, je te dis oralement le programme de variation qu'on va se faire sur ce morceau-là. Par exemple, la première fois, on va jouer tel quel le morceau avec les quelques ornements que je t'ai sélectionnés qui vont déjà bien sonner. C'est déjà intéressant de le jouer comme ça une fois, sans variante pour l'instant. Et la deuxième fois, on va rajouter des variantes. Alors, quelle variante on va rajouter la deuxième fois ? On va rajouter des variantes du style changement de notes. Donc tu vois, dans la vidéo précédente, je t'invite à la regarder si tu l'as pas encore vu. On avait changé par exemple ici le ré aigu, on avait mis un sol. Tous les ré aigus, on les avait transformés en sol. Ici, on avait fait des fois des notes plus graves. Voilà, on avait changé. Ici, on avait fait des modifications de phrasé. Tu vois, la modification de phrasé, on pourra déjà rajouter ça ici. Et ensuite, la troisième fois, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre le paquet. On va mettre vraiment les variantes les plus travaillées, les plus compliquées, les plus originales. On va les mettre, on va les mettre dans la troisième fois qu'on va jouer le morceau, d'accord? Et si on peut, méga classe, on se fait un super final sur le morceau. Et là, tu auras vraiment quelque chose qui va scotcher ton public, je te garantis. Si tu joues ça devant tes enfants, devant ta femme, voilà. Si tu joues ça en public, à une fête, à un anniversaire, les gens vont pas se contenter de manger leur morceau de bœuf, tu vois. Ils vont vraiment t'écouter, ils vont être attentifs. Ils vont pas avoir l'idée de bavarder avec son voisin, savoir s'il était bon le kebab. Non, là, on va rester t'écouter parce qu'ils vont se dire, tiens, il y a quelque chose d'unique qui se passe. Le gars, il joue déjà un truc correct, tu vois, c'est joli. Mais après, je sais pas, bah, il rajoute des trucs point par point comme ça. Ça donne envie d'écouter, ça donne envie d'en savoir plus. Et tu termines avec un final qui déboîte. Je peux te dire, à la fin, c'est applaudissements, standing innovation. Et là, c'est la méga classe. Ok, donc je te fais ça. Suivant mon programme de variation, je te joue le morceau trois fois. Et la vidéo sera terminée à ce moment-là. Alors, c'est parti. Thank you.
exemple de finale aussi, un petit ralentissement, ça peut être sympa. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Moi voilà, j'aime bien jouer mon morceau comme ça, alors des fois c'est encore plus la folie, si je suis bien motivé je te fais des trucs de fou. Là j'étais assez modéré parce que pour la vidéo je voulais pas non plus trop me planter. Mais tu peux prendre plus de risques et encore mieux que ça, tu peux programmer tes variantes vraiment risquées, les programmer à l'avance pour que ça passe à coup sûr en public. Tu te doutes bien que les professionnels ils vont pas faire des improvisations sans cesse. Les variantes qu'ils te font c'est souvent programmé à l'avance, hein, je te déconseille de faire ça en live, tu vois, c'est bien entendu programmé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si ça t'intéresse, j'ai créé une formation complète pour t'aider en fait à trouver tes variantes, à copier les variantes des professionnels. C'est pas obligatoire, c'est, tu vois, moi je te partage du contenu gratuit. Déjà avec du contenu gratuit tu peux avoir beaucoup d'idées, tu peux toi-même essayer de faire des variantes. Voilà, c'est juste que si tu veux être accompagné, si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir des plans détaillés avec vraiment comprendre la logique des variantes et avoir beaucoup plus d'idées de variantes, tout simplement, de même d'enchaînement de morceaux, j'ai créé cette formation. Si ça t'intéresse, si tu l'as pas déjà encore commencé, je te mets le lien dans la description. Si tu cliques sur ce lien, tu vas arriver sur une page de présentation de la formation. Et après paiement, tu auras accès à 9 vidéos. 9 vidéos complètes dans lesquelles je t'apprends en fait à trouver des variantes toi-même, comment copier les variantes des professionnels. Notamment, je te partage des outils pour pirater, entre guillemets, les variantes des professionnels, comment copier facilement. Moi à l'époque, tu sais bien, j'avais pas ces outils-là, je devais me débrouiller, je devais remettre le CD en arrière, tu vois. Alors, c'est pas encore la cassette, on n'est pas non plus en 1980, mais j'avais des CD et il fallait remettre en arrière pour choper la variante. Et si tu l'avais pas, bah, tu remettais sans cesse, tu pouvais mettre 50 fois. Alors, ça allait super vite, c'était super dur de choper la variante. Et des fois, c'était pas la même tonalité de flûte, tu vois. Donc ça, évidemment, ça te complique un peu la tâche. Aujourd'hui, on est en 2018. Fort heureusement, on a des outils très simples pour faire ça. Des outils gratuits en plus. Je te partage ça dans cette formation. Je te partage vraiment plein de trucs. Je vais t'apprendre pas moins de 5 morceaux dans lesquels on travaillera des variantes, des enchaînements stylés pour faire une suite en fait avec ces morceaux-là. Je te partage également les meilleures tonalités que tu peux enchaîner ensemble pour que ça sonne bien. Je te partage également un programme complet, un peu comme celui-ci, mais du coup celui-là il n'est pas super complet. Je t'ai pas vraiment dit tout ce qui se cache derrière ce programme, tu vois. Là c'était un programme, un exemple de programme, tu vois. Mais tu peux en faire d'autres. En tout cas, je t'en partage un qui passera, peu importe le morceau que tu fais. Si tu respectes ce programme, ce sera forcément super intéressant, d'accord ? Voilà, bah, y a tout ça dans cette formation. Même à la fin, bouquet final, je te partage une suite déjà complète que j'ai l'habitude de travailler avec mes élèves. Un enfant de 13 ans est capable de le faire, la preuve, puisque j'ai un élève qui a 13 ans et qui joue cette suite déjà par cœur. On fait pas encore les variantes super compliquées, tu vois, dessus. Mais en tout cas, je peux te dire qu'ils enchaînent bien déjà par cœur, tu vois, sans partition. On a travaillé les enchaînements. Maintenant, pour améliorer encore cette suite, on est en train de travailler les variantes. Évidemment, c'est du travail. Il faut travailler tes variantes. C'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Évidemment, tu vas devoir t'arrêter, te focusser sur un passage et de travailler la variante que je te propose. Mais voilà, après, j'ai vraiment sélectionné des variantes assez simples. Je pense que tu vas y arriver sans problème. Si un enfant de 13 ans est capable de le faire, toi aussi, je pense que tu peux le faire. Voilà, donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Si tu veux, tu peux l'avoir à 3 fois moins cher aujourd'hui, à un tarif de lancement, n'est-ce pas? Il doit rester encore quelques jours, donc je te laisse vérifier dans la description si tu cliques sur le lien. Et moi, je te dis à tout de suite dans la formation. Ciao.